Et il faut que nous baillons toute bataille dans la personne de construire l'état de droit. Il faut que nous baillons une base juridique. Et il faut que nous mettions le système judiciaire là à l'épreuve. Et ce n'est pas en dossier de nous faire contre tout le monde dans ces pays. Nous n'avons même pas de jambes pour les noms. Même non. Madame, Michel Mazé, il ne m'a pas connu. C'est le président. Il ne m'a pas connu, il n'a pas aucun rapport avec eux. Parce que ce n'est pas grave, mais qui était fait en dehors de la loi. Et moi, pour ce qui devant la justice, vous allez bien sûr. Maintenant, la justice actuelle, le temps qu'il faut, mais c'est très malheureux, c'est tellement long, mais le nouveau système, nous connaissons qui j'en dis. Et donc, nous attendons. Ok, en entrée dans le plat principal, là, si j'ose m'exprimer ainsi, l'État haïtien a engagé plusieurs cabinets d'avocats et parmi eux, est-ce que c'est cabinet Newton-Louis Saint-Just ou bien Newton-Louis Saint-Just comme avocat? Le cabinet, ok. En garder. Premièrement, pour qui ça, et comme notre bureau secrétaire d'État à la communication, lui préciser contrat qu'il s'agit des contrats de fourniture d'énergie. Est-ce que c'est de ça et de ça seulement et nous pral occuper nous? Dans les trois compagnies, Etchwak, Sogener et puis E-Power, SA, ou bien gain l'autre et compagnie qui concernait tout? D'abord, Maître Gustave Février, Maître Joaffé Fizien, Maître Fricto Canton et Maître Newton Saint-Just, à travers les avocats, et à travers le cabinet, excusez-moi, ils vont aller, et d'abord aider l'État et renforcer la structure juridique de appuyer tous les services juridiques qui sont dans l'institution l'État. Deuxièmement, permettre aider l'État par tous les moyens, les voies de droit, pour lui recouvrir des dettes des agents que nous devons l'État depuis 2005. Et n'a pas eu l'occasion tout, parce que nous avons même compté à la main, nous, pour nous capables de conseiller sous nécessité pour réviser, modifier ou annuler des contrats qui ne peuvent pas passer dans l'intérêt population. Mais soit c'est ça, c'est pour moi-même personnellement une occasion importante parce que je me suis dit, en 2011-2012, sous la présidence Martelly, moi j'ai critiqué un accord que Conatel a signé avec un film suisse pour t'aider pour l'argent sous diaspora. Et j'ai estimé qu'à cause de ça, ça a fait dans l'intérêt de l'État. Même Jean-Tou, j'ai critiqué à cause qu'il était signé avec la dernière film israélienne pour ne pas acheter, on a fait plus de millions de dollars, et soi-disant, à peut-être que la douane est efficace, c'est des bagages et nous estimons qu'il n'y a pas de raison d'être. Maintenant, vous comprenez, mais non, peut-être mon avis, oui, c'est Sogener a été perdu par l'État. Et oui, il y a ce général donne toujours, mais il y a deux aspects dans le dossier ce général avec l'État haïtien qui pas censé concerner nous encore. D'abord, cette question de dette que l'État haïtien estime que ce général est voulu qui c'est 94 millions de dollars. Cette question de 200 millions de dollars américains que ce général estime que l'État est voulu, ça n'a pas concerné nous. Et résolution, on sait des ministres qui demander pour allouer qui a nous des contrats à eux, ça n'a pas intéressé nous pour ça. C'est son général lui-même, si décision ça, il portait à intérêt, c'est lui-même qui doit le gagner pour actionner l'État en justice. Et le ça, l'État capable de décider si oui ou non, c'est nous qui avons confié le dossier ça à lui-même. Par contre, tu comprends. C'est l'autre dossier qui concerne nous, qui a mis 94 millions que l'État a dit nous là. Il va mis dans ça plus de 200 millions que ce génère de dollars. C'est un rapport qui établit que il y a une sous-facturation. Il a dit que ce génère ta va. Bien précisé, oui. Ce génère ta va faire l'État payer comme que ta doué qui à hauteur de plus de 223 millions de dollars. C'est-à-dire des factures que vous voyez et bien de pas faire l'État courant ça véritablement. Mais il s'agit d'un rapport. Ce rapport, c'est pour parole de l'évangile que lié. Et pour le résoudre, nous commençons par la voie amiable.
Et si par exemple, c'est parce qu'il y a un problème technique qui te fait, il va défacturer l'État. Maintenant, si il faut ça va avancer, nous irons directement au tribunal et il va déterminer qui n'a pas optionnalisé, qui n'a criminalisé. Ça va dépendre de la stratégie que nous pouvons mettre en place pour permettre que la lumière, là, du professeur GNP, non, mais du professeur lumière fait, et si la justice estimait que l'insuffisance de la et bien, c'est pas seulement 123 millions à pied, des dommages d'intérêt. Et parlez-vous du coup, c'est 123 millions à pied, sur base de la force qui parle aux paroles de l'évangile, et en plus, nous allons nous dire, sous ce spécifiquement, nous engager nous, et des actions seront entreprises dans la minute, voire les heures qui viennent. Et donc, pour Sogener, question sur facturation, mais bah, on est dans discussion avec nous, qui ça, autorité haïtienne, yo dit nous, mais à plusieurs reprises, et l'État lui dit clairement qu'il est question de restitution de ces fonds. Ça dit, je dis à la, si... Non, mais Mendo, et à plusieurs reprises ces derniers temps, et le que ce soit ministre financement, directeur DH Château, lui-même plus technique sous question, mais ministre financement, nous avons trouvé une dégâts vers là, M. Jout, et il parlait de restitution de fonds Sayo. Voilà. Ce basant sur rapport ou commission était fait sous question énergie. Bien content d'utiliser ce terme-là, on va voir que l'argent que nous devons l'État, nous parlons de recouvrement. Et le recouvrement. Restitution, c'est-à-dire que son compte que nous n'avons l'université que vous recevez en même indûment. Maintenant, sous reconnaître, peut-être que c'est passé ou qu'il va faire à la diable, maintenant, sous pas le reconnaître à la diable, et bien la justice, vous voyez, est-ce que effectivement, qui traversent des montants perçus mais du mort, et donc qui sont dus, qui sont dus à l'État, qui ont été dus à l'État. Par contre, donc l'important restitution, c'est-à-dire que ce n'est pas l'argent et que ce génère que l'État doué, c'est un paiement de l'argent entre les studios. Ça a fait des bagages pénalement graves, si c'est vrai, que des institutions ont fourni des services à l'État, et que le partage ça de bien là. Et il y a des cas comme ça que nous jouons, par exemple, des montants pour lui manger à la police avec des institutions de l'État. C'est de la 500 bail de 100 plats. D'ailleurs, nous avons dualisé là. Et puis, le temps, tout à l'heure, il y a des structures là, pour contrôler par les SAO et il faut dire tout. Et nous, vous connaissez comme citoyen, parce qu'il y a des clients privés et tout, qui des deals avec l'État. L'État est aussi un mauvais payeur. C'est-à-dire que, et au nom de toute la moralité publique, nous invitons l'État pour le payer moun, que nous voulons, mais tout pour moun qui n'est pas à faire encore, qui n'est pas à négocier encore, pour offrir un chemin à la justice de l'État. Parce que, tout pas pour l'État de police, tout pour l'État de douane déconstruit, et bien tout le monde doit marcher sous la coupe réglée de la loi. Ok. Donc, ou clair, à fait d'être croisé à la EDH de Sogener, Sogener de BMPAD, Sogener d'IPM, et BMPAD pour me capable de EDH, ou pas d'abord ça. C'est pas de ressort, nous devons travailler sur le dossier ça. Si l'État actionné, si l'État va arriver, nous travaillons sur le dossier qui est au bon nom. On peut pas dire que Sogener a plusieurs dossiers. Il n'y a pas de contrat qui est résilié, il n'y a pas de dette que l'État a gagné pour son génère, mais son génère qui est pour l'État. Mais si on porte des dossiers à l'abandon, on a fait la zone. C'est ça qui est dans le contrat de là. C'est 123 millions de dollars américains que son génère apprend. Non, mais l'État, injustement, ça a gagné tout une série de qualifications pénales. Oui, mais il s'agit d'un rapport, ça a pas pris l'évangile. C'est la justice seulement capable de dire que c'est la route de New York. Et ça n'a pas empêché que les partis joignent un accord pour résoudre le problème à la mienne. Voilà. Et c'est sous dossier ça, on travaille pour Sogener. Les deux autres compagnies concernées, et Etchwak lui-même. Nous pouvons gagner pour lui, parce que jusqu'à présent, son contrat qui était expiré. Nous pas gagner pour Etawa. Donc, nous gagnons Sogener sous aspect sous facturation en lui-même. Ok. Donc, et de combien compagnies que nous avons parlé là? Écoutez,
au fur et à mesure que l'État bon, c'est pas seulement nous dit que non, nous là depuis 2005 là, ça dit je suppose qu'on ensemble d'entreprises qui concernaient. Là par exemple, la Fito. La Fito et l'on a gasté millions de dollars dans depuis 2007, il n'a pas besoin de coût. OK. Et même ça tout pour Oasis et BNC avec l'on a environ 12 millions de dollars là-dedans. Okay. Et là, nous prenons les compagnies d'aériennes qui doivent l'État. Et là, nous prenons les concessionnaires de véhicules qui doivent la douane. Parce que nous, gagnons pour l'assister et pour nous encadrer, pour nous appuyer, action que l'avocat a gagné en fait dans ce sens. Et l'important, madame, nous avons privé là pour parler de honoraires. Non, tout à l'heure, sans doute, mais on est là toujours. On était sous liste compagnie, même ça très intéressé. Et en tout cas, ça n'a pas travaillé sous lit toujours. Oui, nous guettons. On dit Paul Lafito. On s'y rappelle, Paul Lafito qui doit combien? Qui prête le nom seulement, qui vient 6 millions de dollars la donne. Ok. Qui fait place et nous n'approuvons rien. Ok. Oasis? Par exemple, Oasis. Il y a un ensemble de compagnies aériennes et il y a beaucoup de dans nous et tout le monde, mais il y a un ensemble de compagnies qui doivent et l'État haïtien. Il y a l'autre client qui doit l'ONA, par exemple, mais qui commençait à fini et où est-ce qu'il gère la paix, donc nous pas qu'à citer nos montants, on connaît que ça qui est important, il y a des décisions financières et qui demandent pour gagner un pile de confidentialité dans le travail qu'on a fait pour eux. Et donc, nous ne sommes pas capables de tout le monde qui est là pour ne pas porter à de la réo, mais car qui plus de la réo, car que nous avons tout autorisé, nous parler de lui, car que nous avons l'État autorisé, nous parler de lui. Et bon, qui j'en nous parle faire ça là? Est-ce que nous commençons déjà? Ou bien c'est nous commencer par la presse? Nous commencer par faire un travail d'explication et pour nous, qu'on est là, mettre l'opinion de côté nous et bon, côté pas nous pour nous dire, et voilà, nous parlons défendre l'intérêt de l'État haïtien, ça veut expliquer que nous acceptons contre ça. Et voilà, frère, madame Bono, lorsque le dimanche dernier, notre canton Rédé, et l'État a aimé choisir le cabinet même parmi deux autres cabinets encore pour faire travail ça et de nous acheter ensemble. Le travail initial, moi, c'était préparer le dossier et faire des consultations. Mais il y a des travails, moi, c'est tellement grave et Nava et Pone au pied de parce que le travail, c'est un gros travail en élection. Il y a des contrats, c'est 50 pages, c'est 100 pages. Donc, c'est presque 10 à 12 heures de temps de travail par jour, nous gagnons de lundi à jeudi. Après, je pendant ma parole avec vous là, et les confrères, il y a qui travaillent, nous ensemble de dossiers, il y a des actes qui peuvent commencer à aller jeudi. Mais ça fait, moi j'étais venu jeudi, c'était pas maintenant plan nous, c'est parce que nous voyons que, il y a des mondes qui mal comprennent et des marches. Pas que la photo. Et par exemple, focaliser sur question, il parle seulement avec Sogéné et autres. Bon, ça, c'est pas. Et notre mandat, il a donné tout effectivement, c'est pas notre mandat, il n'a pas été pensé à tout pour ce général-là, c'est pas l'argent d'être là, c'est nous l'autre instant, et nous sommes capables tout de suite à la presse en primeur, et là, depuis que notre package vient, nous allons par devant la juridiction répressive de ce pays pour ce dossier, pour cet aspect qui t'a assimilé à escroquerie avec confiance, ça connaît, sur facturation, nous va connaître qui gens. N'a pas caractérisé qui, Jean a montré, n'est pas capable d'expliquer stratégie, nous, là, pour le moment. Ok. Et en regardant l'aspect légal, question. Gagné sénateur Youri Latortue, sous Vision 2000, et c'est hier, l'y dénoncer. Décision ça que l'État haïtien prend pour lui engager cabinet d'avocats pour venir défendre l'intérêt de l'État dans le cadre des dossiers contrats et compagnies privées d'électricité. Youri Latortue qui est avocat tout, il dit que son juriste. C'est ça, oui, que des bagailles. Non, oui, jamais. Nous allons corriger. Mais mille excuses. Nous n'avons pas rien avec le sénateur,
Bon. Là, je ne vais pas payer pour mon jury, forcément, tu as produit dans le domaine. Malheureusement. Hein. Bon, bon, quand il y a là, bon, je ne connais tout, non, fait, sénateur, là, toi, tu t'as dit, mais ce que parce que je me pose cette question, non? Et là, si. Bon, je ne m'écris pas dans sa boule, parce que je ne vais pas courir, c'est juriste, c'est pas avocat. Et je tire samedi en attendant. Attends, en attendant, moi, j'ai un détail. Est-ce que il fait partie de l'ordre? Et maintenant, des précisions. Il y a tout le monde qui fait partie de l'ordre. C'est un avocat, mais il faut pratiquer à échapper. Il y a des détails qui échappent dans la pratique, parce qu'il va pratiquer. Bon, m'bala, de toute façon, m'bala, m'bakone. Mais m'abdou, Youri La Tortue est juriste, sénateur de son État, lui dit que c'est son violation de la loi. Et loi. Pardon? Malheureusement, j'en ai dit qu'il loi. Tout à l'heure. Ouvrez m'avancer, m'abdou, lui, qu'on y a au café tout comme en t'en vli. Ok? Et justement, qui fait de la Direction Générale des Impôts et principale. Avocat à deux l'État haïtien, m'appelez pour tant en demandant qu'en défendre. Ça, c'est déclaration et Youri La Tortue fait, sénateur La Tortue, et lui dénonce tout, volonté président Jovenel Moïse. Et bon, pour prendre Tirascope qui était dans le trésor public là avant que lui aille. Ou même qu'il soit répondre à ça. Bon, écoutez, c'est dommage, sénateur La Tortue. Détail qui est passé lui, j'espère que le matin, c'est que nous t'avons dit c'est contre Sojourner et compagnie d'électricité au seulement à sous sa valette. Donc, c'est pour recouvrir cette mise de l'État et sénateur La Tortue qui sont hommes d'État. Pas qu'on a des problèmes parce que l'État a cherché l'argent que vous devez. Pas qu'on a des problèmes pour ça. Pas quoi que sénateur La Tortue comme homme d'État. Lui a accepté si l'État estimé à première vue que il y a des gens qui facturent, qui sous-facturent pour plus de 123 millions de dollars américains, que l'État choisit route la justice pour ça. D'accord, je vous le marque. Peut-être pas comme ça. Maintenant, madame Bonhomme, lundi, la DG représente l'État. Pas quoi, sénateur Yula, notre paradis, nous, que c'est directeur de GI, c'est n'importe qui employé de GI. Il va mettre Dr. Zouli qui brale et vous présentez l'État. Maintenant, l'État, parmi toutes les institutions gagnées, pour le cas envoyer adjudiciaire, pour le cas recevoir adjudiciaire, eh bien, la loi établit la DGI pour ça. C'est de même tout. L'ordre de l'État, ou aller payer dans la DGI. C'est lui-même qui est dépositaire de tous les avoirs de l'État. Donc, c'est une attribution que la loi maintenant. Ça n'a pas voulu dire que TGI, dans des domaines, ne doit que pas gagner technicien, ou pour besoin que l'État a estimé, il n'est pas capable de prendre tel ou tel spécialiste en droit, prendre tel ou tel avocat pour aller plaider tel ou tel dossier. Et je prends un exemple simple. On a dit que l'on espèce par devant le tribunal et que l'État n'a pas aucune ressource pour ça, mais pour des raisons, pour raison ou pour l'autre, eh bien, et moun ki la yo pa vle a plaider dans dossier. Et puis, il faut faire la différence très nette, très claire, entre des moun qui sont fonctionnaires, employés de la DGI, et des moun qui ont ce contrat. Et, dans le cas de moun, ce va être tout à fait particulier. Par exemple, contrairement à ce sénateur Youri, et dit, comme si vous avez l'argent dans quel spectacle, et avocat, yo, c'est. Et moun qui doit l'argent ça yo, là par exemple, pour général, tu as gagné dans le tribunal, quand on gagne, le février gagne, le juin gagne, et bien, le tribunal dit par exemple, au lieu c'est 123 millions, c'est 100 millions, ou bien c'est 10 millions, et bien, il y a calculé honoraire nous, et qui est capté honoraire, c'est ce général. C'est pas l'État haïtien, ça le doit clair. C'est des biteurs yo, moun qui succombe yo, qui a payé. Mais le risque aussi est de l'autre côté. Si l'État perdu, c'est lui-même qui peut agir pour dédommager moun que l'identité en procès ensemble avec lui. Donc, je veux que ceci soit clair. Et c'est le même exemple que nous prenons. L'État, il y a la loi, la Constitution dit que les mairies, c'est eux-mêmes qui
et d'État finance zone yo, ça va dire que c'est pour yo laisser le propriétaire. Donc, et l'État lui-même, lui, gagne des attributions, pouvoir, autorité et subgénériste pendant tel moment déterminé pour une telle décision. Mm-hmm. Mais tout sera fait avec la DGI. Tout va rester fait avec la DGI. Oui. Par exemple, que nous devons fouiller, je vais faire un référent même qui pourrait prendre soin pour être capable de signifier. Le travail, nous, c'est appuyer, c'est renforcer les structures juridiques existantes. Oui, non mais c'est femme gain n'importe ou vingtaine de questions même sous et point ça. Et oui. Le fait que toute institution ça a un avocat qui est bah, payé par institution, par l'État et haïtien. Ça veut dire pour qui ça? Ça veut dire, essayer d'expliquer. Non, bonjour, parce que tellement gagné, m'a présumé. Parce que, par exemple, j'ai en 2004-2006, l'État était pour un défi étranger, des avocats étrangers, pour soi-disant d'aller chercher l'argent, et Aristide prend. Mais c'est tout le temps que l'État ici a pris gros cabinet ici, et cabinet mon gros babine, et gros cabinet étranger. Même pas un moyen de rien. Pas un moyen de rien pour ça. C'est pas qu'à faire tout le temps l'administration de l'État. Instance sans l'État et nous constituons avocat. C'est l'État haïtien qui est représenté par le ministre de l'économie et des finances. Ok. Et son gouvernement démissionnaire qui est en place, ça va poser problème. Il est capable d'engager l'État dans une question aussi importante. C'est une très belle question, mais moun qui parle un peu de affaires courantes, lui c'est désaffecté là déjà. C'est peut-être depuis qu'il a depuis 15 ans, depuis 2005. Donc c'est pas là qui a pris et c'est pas des bagages, c'est pas des engagements nouveaux que ça a été des bagages qui est dans l'État depuis plusieurs années. Donc maintenant, samedi à la encore de la parole d'Évangile, que moi qui va penser le contraire. Et donc le stack est important, et mon qui vient d'être contre la question sur le parler à ces bagages qu'il a depuis 2008, pas vrai. Et c'est 2010-2012. Donc c'est des bagages qui, en devant l'État, et l'État prend des accords de décision pendant tout le temps ça. Donc ce problème ne devrait pas se poser. Ok. Bon, sans précision, me dit précision en fait, parce que je suis un sénateur, la tortue là est en ligne. Et par contre, il y a plusieurs avocats qui disent que Yuri la tortue, c'est un avocat en incompatibilité d'exercice. Je ne vais pas parler sur ça du tout encore, en attendant que le sénateur Ali même lit moins de détails. Madame Bonhomme, avant de faire une comme sénateur de la politique, quittez-nous déjà, nous déjà baillons du bord de presse là, nous déjà en difficulté, je vois qu'on va vous rembourser. Alors, nous parlons de mourir à vous quand même, mais tout est le sénateur qui travaille, tout est le sénateur la plus grande incompatibilité. Mais où est-ce que ça me dégage ça pour ce soir de dit à l'EAI? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement ça est capable. Est-ce que vous posez peut-être une question pour qui ça? Est-ce que avocat institution ça n'a pas fait travail là? Et puis, c'est des films privés. Donc, j'en bats à la dure là, imaginons, on va et qu'on s'en va, man tombe dans des avocats qui ont dit non. Par la bonne, bonne chose, réalité à ce qui s'en dit, même travail. C'est là pour la première fois que je travaille. Avec des institutions publiques. Très souvent, il y a de très très bons techniciens et il y a une institution qui doit gagner et des techniciens qui ont préparé le dossier très bien. Et puis, la réalité du prétoire est tout autre. Il n'y a pas de monde qui est avocat avec Timosa. La réalité de la plaidoirie, c'est tout autre. Maintenant, l'État il doit estimer que le besoin était toute chance sur le bon côté, lui adjoindre. Et maintenant, à cause de ça, nous gagnons avec l'État.
Je vous permets de parce que il y a des compagnies que il y a des contrats avec eux qui ont clause d'arbitrage qui prévoit son tribunal en France, son tribunal aux États-Unis qui prend le charge de ça. C'est un gros conflit. Mais vous permettez nous chercher avocat dans notre pays et vous commander pour nous capables d'utiliser ces institutions. Donc ça c'est la liberté de manière courante parce que la loi a empêché l'État et à travers le décret 17 mai 2007 où l'organisation l'État en général, je ne pas empêcher que l'État prend service dans tout domaine non, de contractuel ou vacataire. Mm-hmm. Mais ouais qu'on y a grand pile question et qu'a posé là moi je comprends oui et que bah c'est les autorités actuelles pour qui poser est-ce que par exemple avocat à DGIO il est pas spécialisé en matière de recouvrement de créances est-ce que avocat qui dans l'ONA il va pas faire travailler donc pour tout le monde qui continue à poser question dans ça et sous aspect et légal et question sous et nécessité ou pas pour que vous parlez de la vérité ici. Mm-hmm. Par exemple, DGI gagne les meilleurs avocats en matière de recouvrement de créances. Mais, gagne la dossier Samuela et dossier Machia, oui. Ce n'est pas normal pour nos pays que, dès qu'on a dirigé, le conseiller de diriger, il a passé des contrats qui partent au bénéfice de la population, qui au bénéfice d'une minorité, parce que vous avez l'argent, parce que ce pouvoir. Donc, il y a des gens qui doivent faire pour vivre, pour vivre, mais ils ne peuvent pas entrer dans le dossier. Ça, au moins, ça n'a rien dit, madame. Au moins, ça n'a rien dit. D'un côté, il y a des gens qui ont plusieurs millions de dollars, pas de 123 millions de dollars. Et c'est bien. Mais il y a des gens qui ont 20 milliards, il a peur pour vivre, il va rentrer. Et bon, ce n'est pas facile tout pour joindre des gens dans la plupart de ça. Pour qui ça? Si nous prenons ONA, nous prenons BNC, je vais te dire comment faire des placements. Et dans les institutions, il n'y a pas un peu de goût de putain de ça. Et c'est pas sommation, on va joindre. Et parce que n'est qui te joue contre ça, par le bien de la corruption ou tout autre, de rassurer que, comme si c'est cadeau de capital cadeau. Il ne faut pas les réalités payées à janvier. Et le monde a caché dans une considération. Il y a un Et d'ailleurs, le ministre économique et financier dans le pays, il a les dossiers de gouvernement et même le président a mouru. C'est ça, on l'a dit. Nous connaissons la réalité, hein. Nous comprenons des confrères qui disent, mais, il ne faut pas avoir des dossiers comme ça. Et jusqu'à présent, ceux qui ont mis des dossiers dans la rue, ou pas, ils ont été négatifs pour eux, parce que ça, j'ai l'envoi la donne. Ça, c'est la mafia de ce pays. Ils sont des groupes, moun, à travers l'ensemble de contrats, tes cousins, tes tontons, tes matins, tes ménages, qui mettent ces ensemble, ils ont tout qu'est-ce que l'on a, par exemple. Ils ont tout qu'est-ce ensemble d'institutions. Ça, c'est les citoyens qui posent, c'est pas l'avocat. Non. Pour s'attaquer avec cette mafia, à cette mafia, il faut fou. Il faut croire que même là, on ne pas comprendre. Même là, on a mourir, mais au moins la population peut comprendre que la bataille contre la corruption doit être totale. Elle doit être menée de l'extérieur et de l'intérieur. Mm-hmm. Et bon, ça dit si vous pas décidé faire bah la groupe on est faut tenir compte de la loi et quand même bon, on dit auditeur m'a retourner sous ça encore parce que c'est vraiment en pile et yo divisé en deux, m'a parlé monde a fait interaction avec moi, est-ce que DGI est capable offrir service à l'autre cabinet, l'autre avocat pour défendre l'état, gen moun qui dit oui, gen moun qui dit non, gen qui répond ça c'est oui, c'est non. Mais excusez-moi, il ne faut pas comprendre. Le fait que DGI représente l'État, mais l'État a passé notre compte là, c'est le DGI qui. Parce que c'est lui qui a recevoir l'argent pour l'État, il est calculé pour l'État. Est-ce que c'est lui qui a dit ça? Non. Pas le fait que l'État doit être le substitut, il représente l'État. Ok. Bon, débat était ouvert, tellement il y a une autre question, on va arrêter sous lui. Bon, oui. Ben là, si les autorités actuelles, ils veulent faire dans le cadre de la loi, c'est si Forêt est dans le cadre de la loi net ou bien s'il a fait le groupe honnêtement, et pour yo aller dans ça, pas faire comme si sous couvert de la loi, et puis pour c'est ou l'autre bagaille cap régler tout. Et une question auditeur, mais contre ça, est-ce que nous tenons compte le fait que l'y valider et par la Cour des comptes.
même si c'est un contrat qui ben pas en intérêt population hein, et pas en intérêt l'État et que ces compagnies qui jouent un contrat monde qui derrière compagnie c'est au cap fait beurre c'est ça les enfin ça contrat à Léoné hein, mais ou gain des institutions de l'État qui placent pour dire est-ce que Commission nationale des marchés publics tout dans certains cas est-ce que tel contrat bon est-ce que tel contrat est pas bon et depuis au fin validé est-ce que et bon c'est-à-dire des autorités capables de casser et madame Bonhomme ne sera pas le contrat en général que vous avez passé avec des privés attendez mais on va dire soit dire s'il vous plaît est-ce que vous parlez de contrat que l'État signe en général avec les privés oui le contrat mais moi je dis ça déjà donc par exemple dans ce pétrocaribé corruption dans l'État en général c'est le procès de l'État même qu'il faut faire parce que c'est parce que les organes de contrôle là encore ici on va parler d'avocats parce que les organes de contrôle ils ont pas fait travail yo, pour raison pour le ne pas me juger yo. Donc c'est pas ce qu'on a fait. Donc nous on se met une décision vraie qui approuver tout contrat qu'on a parlé de Yola, que c'est Petro-Caribé, que c'est notre contrat. C'est pas qu'on a qui conditionne, c'est pas qu'on a pour qui ça. Mais, vous savez que, il a dit dans le droit que la fraude corrompt tout. Et le fait que, il y a une institution de l'État, il y a une autorité dans l'État, pas signé, il y a un contrat pour le protéger légalement intérêt collectivité à la nation, nous, il y a trois options que tu as des fraudes, que tu as des corruptions. Et nous reconnaissons tout. Que moun sa yo gen kontra sa yo nan men yo a, ou pa kapab al zan, avec wash, an baton pou al krasé kontra yo, pou passe par la voie, ou les voies tracées par la loi. Donc, ce bagay ki te dit, ce bagay pou bon, et remarque ma question là qui se remarque pour la dame, c'est tout le procès de l'État qui se fait dans les rues, et mettez le tribunal, et dans les salons, tout le procès de l'État qui se fait. Parce que il y a des gens et n'a parlé de la guerre fume n'a dit que je te prends l'argent je vais exécuter aucun contrat et ou bien c'est une commission de Petro-Caribé ou non mais il y a tout des gens qui ont fait une commission nationale par action de marché parce que toute formalité légale est remplie donc quelque part il est fondamental pour nous mêmes comme citoyens pour nous aller juste mes amis m'attendez Liliane que nous avons fait contre l'État qu'on a fait contre corruption, d'un système qui est basé sur la responsabilisation, la transparence. Est-ce que l'autorité actuelle, c'est pas des abus à faire? Et si nous comprenons bien, lorsque ils ont décidé, c'est-à-dire le gouvernement, ils ont décidé pour suivre des hauts fonctionnaires de l'État eux-mêmes qui ont signé des contrats là, nous non, et contrat e-power là, par exemple. Comme on voit qu'on gagne dossier e-power là, mais quel dossier côté que nous disons pour nous faire attention contre des gens qui signent des contrats pas d'accord avec l'État. On dit c'est pas on garde là, là en général on dit on retire e-power là. Est-ce que par exemple je dis là en 2019 et comme bon là gon bar qui a fait là pile là a sorti et que au niveau de pouvoir yo et arrivé et dépisté ou bien yo était dans tiroir jusqu'à les tiroirs yo joine des contrats et que pour yo même bah connaissez la justice qui a dit ça yo monde qui était signé yo à un certain moment des hauts fonctionnaires de l'État et li coupable donc yo capable la justice capable poursuivre moun ça et question là ça. De toute façon, si l'État estime que il y a des contrats, que des gens qui passent dans nos populations et qu'ils n'ont pas respecté la loi, ils ont fait d'adou contre la population, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, et de même d'analyser, et l'idée de persécution, d'ennuyer le monde, et quelle que soit la prétention, oui, quelle que soit la prétention que l'État gagne, pour le faire légalement sur les voies tracées par la loi, par devant le tribunal, civiliser à une instance contentieuse. Ok, donc c'est job la justice.
c'est de la justice. Mm-hmm. Pour qui a fait ça? Moi, tourner sur deux points. Besoin ou font un approfondissement sur affaire honoraire là. Est-ce que ça veut dire pour qu'il clair pour tout le monde? Est-ce que c'est ça me comprendre que l'État haïtien n'a pas gagné rien même vraiment en même un centime, li pas pour débourser et à cabinet d'avocat. Pour là, nous dit que et montant que vous recouvrez à nous, on est même 123 millions. Mm-hmm. Pour moi, je parle de la vaille, exemple, c'est de 123 millions. Et si c'est dans le tribunal là, avec vous, ça, là, c'est, on va être comme oui. Bon, mais nous allons constater montant ça qui peut être retenu par la justice. Mm-hmm. Et tout l'autre recouvrement que vous faites. Maintenant, pour l'argent que nous recouvrez, par exemple, eh bien, dépendamment de gens recouvrés à l'amiable, ou par la loi judiciaire, et la loi dit comment pour calculer et pour le avocat les 10 à 20%. Mais ça n'a pas empêché que nous jouions des accords avec ces particuliers et ça nous dit, je vais rappeler que l'agent SAIO, c'est pas l'État qui va le payer, c'est les débiteurs qui doivent l'argent, eux-mêmes qui va le payer. Et deuxièmement, il y a les frais de procédure que l'État fixé. Et un matériel de recouvrement, par exemple, il dit qu'on ne peut pas être capable de dépasser 5%. Mais pour le moment, nous ne sommes même statués sur ça. Nous avons confié les actes que nous avons faits aux institutions de l'État concerné pour que le service, par exemple, le service coronal, c'est tout à la signifier mon acte. Ce soit pour action pour l'ONA, et vous faites préparer l'acte là, de conseil avec avocat de service juridique et l'ONA, et nous dit mais qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait, et puis l'ONA signifie ses propres actes. Nous comprenons, mais contrat clair, nous commençons le travail, gon contrat en bonne et due forme. Mais le mettre quand on relo là, ou poser la question ça, ou comme avocat. C'est clairement, ça dit que vous connaissez qui sac pas le passé avant de commencer le travail. Oui, mais ou bien plusieurs chiffres là, 10%, 20%, 5%. Mais Bamba, là, ça lié même, au fait. L'argent, au moins qui doit l'État, mm-hmm. et puis nous recouvrir comme là, et de nous faire payer. Si c'est négocié, si pas la voie amiable, si c'est doué l'État, 100 dollars, on a 100 dollars. Ok, 110 dollars. Mm-hmm. Et pour nous, parce que chaque fois, nous faisons nous 10 dollars. Ok. Nous payons l'État à l'argent pour lui. Si c'est un tribunal l'année, l'île, c'est 120 dollars, et 20%. Ok. Nous avons toujours négocié honoraire là avec nous, avec des débiteurs comme avocat. Donc, il y a de 10% à 5%. Au lieu de 20% à 15% à 10%. Donc, ça, tout à fait selon la loi, même pour les frais de procédure. Pour le moment, c'est l'institution l'État qui a et qui concerne c'est BNC, c'est l'ONA, c'est la douane. C'est eux-mêmes qui ont bien actionné, mais eux qui sont capables de signifier les, à moins qu'ils aient de frais de procédure. C'est eux-mêmes qui ont supporté les. Ok. Et si l'État a perdu lui-même? Eh bien, vous savez, c'est la justice. L'État a coupé lui, comme tout le monde, par devant. On a un avocat, on a parlé là. Bon, honoraire là. nous d'accord qu'une bague honoraire. Nous n'avons pas honoraire, mais nous faisons du bagaille. Mm-hmm. Et l'État a capable de perdre lui. Et il en pousse. Maintenant, on a utilisé la voie de recours. C'est-à-dire que dans ce démarche-là, l'État va plus fort que les citoyens et ceci doit être le cas dans toutes les démarches. Ok, question auditeur. Mandel, est-ce que tu as gagné un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement de ces cabinets d'avocats? Personnellement, gagner un bon détail. C'est Maître Tanton qui gère pendant ma parole à Ola, sûrement, même pour la leçon, même dans la réunion, parler avec et autorité sur ça. Mm-hmm. Ouais, et prenant déjà 3 jours, parce que moi-même, mon défaut, moi, avec le dossier, moi, est démonté, tellement de documents, moi, responsable question documentation, donc Maître Tanton lui-même, et assure la semaine prochaine. Et tu vas capable de nous communiquer et capable de gagner une conférence de presse pour avoir bien plus de détails. Et non, ça qui justifie
présence toujours derrière un micro, la presse. Et c'était une seule intervention d'after, et puis, et moi, je vais t'en souffrir, et moi, quand tu l'as pris là, c'est que, et nous parlons de l'amalgame, nous avons une période qui est très troublée, et tout le monde est capable dans la société de utiliser ça. Et puis, et nous, tous, c'est de bonne foi de tromper, parce que nous avons un gouvernement, et pas avoir, et d'en connaître à Jack avec les Haïtiens. Donc, il a pensé que c'est pour question de dette là. Donc, il était important pour nous dire que ce n'est pas question de dette que l'État a doué, mais que doué l'État. C'est l'État qui voulait faire un rapport. Ce n'est pas un jugement qui parle en vérité, et comme je dis, légalement établi. Et bien que l'État doué, l'État fait payer 123 millions de dollars injustement, par contre, c'est le tribunal qui va déterminer ça. Et comme ou ben nous quelques firmes qui firmes privées et qui est concerné mais ou pas gain liste la voyer bon tout lance appel là bon peut-être très bientôt la mettre quand on va obligé vienne bailler deux trois explications sur ça mais dans liste au côté bien et vous savez à ce bail il y a travail là et moi je dis je dis alors on parler même une discussion là à finaliser et puis cela et n'a pas gagné plus de formation. Et puis, l'ISA, nous n'avons pas qu'à parler tout pour nous, l'ISA, pour ça. Et si quelqu'un l'a dit dans les par exemple, qui dit, vous l'avez bien régularisé. Parce que, l'a parlé de toute dette que des particuliers, des institutions, le gagné, des firmes privées, nationales et internationales, le gagné envers l'État. Et c'est vaste. Mais nous prenons quelques cas avec, et bien entendu, l'autorisation du client. Vraiment. Aucun client va pas dire nous dans dossier ça va. L'État son client ouais, c'est client, mais qui a voulu le dossier nous. Donc il doit dire qu'il y a un client là et lui commence à coopérer. En nous donne, et ça ne va pas beaucoup. Et on allait là. 1, 2, 3. Et qui ça nous pourrait le faire après et travail explication ça dans les médias après le matin ou intervenu sur plusieurs médias qui ça les cabinets février et canton Virbonus c'est bien ça pas vrai ce cabinet mettait fait une séance ça c'est ça c'est non Virbonus et qui ça nous pourrait le faire là au départ après ça par exemple nous t'as doué posé un dernier acte extrajudiciaire dans le dossier sous général sous l'aide de crédit. C'est une action qui fait. C'est pas fait déjà depuis hier, le fait. Peut-être que la situation pays, il n'y a pas qu'on est ici. La justice a fermé pratiquement là. Comment? La justice a fermé. Pour me dire toute institution fermée, ça n'a pas boulé d'ailleurs. Ça fait nous dit un acte extrajudiciaire. Ok. De consommation à la DRH, institution qui concerne les films privés, une notification à parquet, etc. Donc, c'est ça qui a été fait déjà, c'est pas fait hier, il a fait matin, ou bien lundi ou plus tard. Nous, pour arriver à la version précise rapidement, qui concerne les sous-génères, la fête à nous, à savoir 123 millions de dollars de cette activation. On a compte des faits. Dans son meilleur et prend voie judiciaire s'ils le font ensemble avec eux. Et ça, lui-même, son bagage, moi-même, personnellement, me détermine ce qui. Si c'est vrai, mais considère que ça vient mon film d'un pays, PAM, qui bénéficie d'un contrat, et l'État lui a toute garantie pour exécuter le contrat, mais l'autre d'un ici, comme nous dit, pour un qui est si fragile, pour cet aveu que. Il a fait l'État payer 123 millions de dollars en plus que ça, l'État a fait payer, pendant que l'État a utilisé des manœuvres frauduleuses. D'accord, l'État a vu. Nous n'avons pas même bien fait tout ça. Et c'est peut-être pour déjà cette victoire que, moi-même personnellement, je pensais que la présence de l'État a gagné, c'est parce que, au moins aujourd'hui, la population va même après 5 ans, 10 ans, est-ce que vous pouvez faire lumière sur 123 millions, même si j'ai demandé de faire lumière sur. 4 milliards et pétro-caribéens. Donc, ça, pour nous, ce bagage est extrêmement important. Et puis, question de la FITOA, question de l'OASISA, et c'est environ 6 institutions que la période pour que la semaine prochaine, nous, essayons de voler et entreprendre les premières actions. Ok.
Nous pas en charge de dossier Reginald Boulos. Et nous pas connaissons Reginald Boulos dans un dossier spécifique. Non, bah, qu'on est parce que et, allez, non, réponds là, ma parole. Non, c'est Reginald Boulos dans un dossier spécifique, et madame, vous pouvez répondre. Parce que maintenant, il y a tout un pays, sur toutes les réseaux sociaux, qui a parlé de prêt que M. Boulos a fait dans l'ONA. Et même personnellement, quelques gens qui investissent dans un pays, depuis qu'ils étaient capables de garantir au crédit, et pour que ils soient capables de prospérer dans l'investissement, pour que le pays soit capable de bénéficier de ça, moi-même, d'ailleurs, chaque fois que moi investissais, si la petite pays a quitté le pays, à son coup de poing en bas. Donc, je pense que des gens qui ont eu un gros, ils n'ont pas mis en mine, ni en mine, aux citoyens qui prennent toute chose à eux, qui acceptent dans le pays, eh bien, nous ne pas doués. D'abord, nous-mêmes, comme citoyens, il faut nous considérer ça, et il faut nous appuyer ça, parce que la petite pays a capitané, l'État nous prend compte, tenir compte de ça. Maintenant, et sous près l'ONA en général, ou bien, nous avons un placement que l'on a fait et que M. Boulos bénéficie de l'entreprise. Et même jusqu'à présent, comme citoyen, pas grand rien. Légalement, il faut regarder qui pour l'ISO légal, l'on a gagné pour ce placement. Mais moi-même, ça, ça a dérangé, moi, encore comme citoyen qui travaille dans l'ONA, c'est que l'ONA, qui c'est Office National Assurance IS, c'est un exemple pour ouvrier à deux niveaux. Pendant que l'on a fait un petit anticorps, et puis, il y a un grand monde qui veut passer en vieillesse, plus ou moins en paix, plus ou moins heureuse. Donc, le monde qui a de bénéficier en premier de prêts, de tout est bien fait de l'ONA, c'est pas moi-même, c'est pas sénateur, c'est pas ministre, c'est pas ministère, il a mis seulement frappé dans l'ONU, pas le prêt. Il va même connaître ce qui est des garanties, même pour ça. C'est ça, et ouvrier, peut-être que je viens de petit prêt, parce que l'ONA, permettre que je ne sois, et puis, et pour ça permettre au grand monde pour être capable de vivre en paix. Et j'aime me dire déjà, en 2006, je sais qu'on baille un pensionnaire là, moins que 1000 gouttes. En moins que 1000 gouttes, je dis là, pour la CDA, ni faire, etc. Et c'est sans doute là qu'il y avait spectacle sous lui. Et moi, je pense que je dis là, faut au lieu, l'ONA a fait des placements à droite à gauche, c'est vraiment là faire l'argent. Mais l'ONA, l'idée, ce n'est pas à faire l'argent pour faire l'argent, c'est pas à faire l'argent pour faire l'argent, mais c'est pour lui exister et opérer dans l'intérêt de ceux qui sont dans les ouvriers, pensionnaires. Donc moi-même, déjà la population est comme citoyen, et comme nous avons travaillé tout de consultation, eh bien, nous avons recommandé pour nous attacher et payer les pensionnaires en 10 à 20 000 gouttes, dépendamment de l'âge, vous gagnez, les gens qui sont plus grands, les gens qui ont plus. Les gens qui ont 70 ans, par exemple, vous parlez de 20 000 gouttes, mais les gens qui ont partir de 60 à 70 ans, vous dites 10 000 gouttes par mois, parce que quelques milliers de pensionnaires qui parlent pour misérables chèques et 1500 gouttes là, je pense que ça n'a pas fait honneur avec nous-mêmes comme citoyens, comme l'État. C'est une autre façon encore pour humilier les citoyens, parce que les gros babines, je ne comprends pas, alors que l'argent va dessiner avec eux. Et l'un des gros babines n'a pas pour une personnalité. Par exemple, M. Boulos, comme patron qui a payé l'ONA 6% de l'argent, après. Ah oui, c'est ça. Maintenant, il faut nous aussi, dans la fait conformément avec la loi. Et il faut, dans le cadre de l'ONA, nous prioriser l'intérêt et ouvrir les avec passionné. OK. Bon, tant que vous présentez la question là, c'est bon, son dossier de justice, nous connaît, mais dans quel contexte? Et le président de la République, il y a 2 ans, 9 mois bientôt là, c'est ça? Et sous pouvoir, il prend des décisions. Le monde sait que l'essence est frappée dans le portefeuille, et c'est des mondes que, ça dit, président, ses proches, ils ont soupçonné qui a financé la rue, c'est-à-dire qu'a payé mettre cop dehors pour obtenir, pour être capable d'obtenir des parts. C'est ça que fait qu'il y a des gens qui dit ça y a et c'est diversion. Donc il a essayé tout à l'heure. Regardez, ou même avantage de m'avoir ou savoir comment son militant politique est prêt pour répondre à toutes questions. Non, Jovenel là. C'est que vous avez tout à financer Jovenel, vous avez intéressé. Par exemple, et je vais dire, M. Boulos, qui te dit que c'est pour la première fois que je supporte tout le monde et que je fais campagne. Mais on me dit que je vais compléter. Il y a un homme qui dit que je vais faire le bien, mais je ne vais pas même intéresser, même passer. Parce que pour nous arriver, notre transparence n'a pas l'état là.
pour respecter la loi électorale et puis pour nous renforcer le régime de financement de la campagne ou des campagnes électorales pour que le monde a financé nos candidats pour tout le monde comme nous. Parce que la République dominicaine, les gens ont gagné cette stabilité, même dans la primaire, les élections primaires, les candidats ont revenu avec tout dossier, copie chèque et autres, tout le monde qui était financé, ils doivent faire de même pour les élections nationales, pour mafia, machin de drogue, et les gens qui ont besoin de kidnapper l'État, va venir faire. Et là, si tu ne pas arriver dans ça, à tout rien. Maintenant, moi-même, je ne suis pas capable de répondre pour me connaître, c'est persécuté, je vais la persécuter, c'est d'ailleurs financer l'argent là, moi-même, je ne vais jamais déconner un mouvement politique. Pour nous donner l'argent, pour nous demander mon dollar, mais pour nous donner l'argent, pour nous faire aucun mouvement, c'est toujours conviction, moi, et qui m'aide, moi. Donc, ça, moi, par contre, les détails, ça, mais, moi-même, je pense que c'est l'occasion, man, pour nous dire à la population, hein, pour une bataille, pour qu'il y ait transparence dans les gens de l'aide à financer l'élection. Parce que, tout en abdi là, l'abdi, faut changer le système, faut nous, pour aller, faut nous rester, tout le temps, nous parler du laboratoire qui a dans nos modèles, leader ça, modèle dirigeant ça, nous ne pouvons plus rien. Tout un dégât qui va entrer dans n'importe quel âge, n'importe quel côté, pour lui faire campagne, pour lui faire élection, même les Marivis, même les Newton, c'est une belle idée pour le pays. Il y a son pays qui a pile mise à la donne, pour garantir, c'est le règne de l'argent de la corruption qui va gagner. Donc, c'est un détail, et vous ne pouvez faire n'importe quelle interprétation que vous voulez, c'est le droit, mais ça qui est fondamental. Est-ce, nous avons un connaître comme citoyen, est-ce que ce génère faire l'État payer 123 millions de dollars, vous voulez? Et pendant que il n'y a pas de balcon tout ça. Même son génère du intérêt. Pour que bagage ça clarifie, parce que son film, son société qui doit faire le deal avec des sociétés internationales, et puis il y a un bon dossier noir comme ça sous lui, qui n'est pas éclairci. Et nous-mêmes comme citoyens, rien qu'on est. Pas seulement son génère, combien d'institutions qui ont fait l'État à travers ça, parce que chaque fois qu'on fait l'État ça, c'est nous-mêmes comme citoyens qui ont fait ça. Même gens, monde qui cassé, coupé, il y a plein de rappels de Caribé. C'est comme je l'ai dit. Le Petro-Caribé, c'est pas seulement de ces corruptions que l'on a et de ces dermalogues, de ce qui est la saline, si tout le monde a saline, nous fait solidarité avec le parce que quand il y a juste à cause de la prière, il y a un cas de priorité pour la justice de l'unité, tout ça. Mais Paul fait lumière sous tout caillou. Effectivement, vous voyez, c'est compétent, comme moi, c'est vraiment, mais ça, c'est fondamental. Et m'inviter jeunesse, quand même, les pays à plus haut, à le fouiller dans le dossier, ça, est-ce que. Il y a un film qui doit l'État, qui peut tout à l'heure sur l'État vrai, et qui l'a consacré. Et nous-mêmes, comme nous gagnons l'obligation de réserve, dans tout ce que nous avons pris, c'est ça au bon seulement nous capaler. C'est important, c'est ça au bon seulement nous capaler. Mais chaque fois que nous avons cas de ça, nous disons merci, parce que nous avons tout pour nous constituer le bataille parfaitement. Ok. Ou dit que faut nous faire ça pour tout contrat, comme n'a pas remonté à 2005, c'est bien ça, pas vrai? Bah ouais, document. C'est 2005, pas vrai? 2005. Ok. Donc, est-ce que ça dit contrat, gainsay de contrat que président ou bien des compagnies qui proches pouvoir indexer là-dedans, y a pas dans la liste là, vous-même? Non, y a pas dans la liste là, mais nous. Attendez, jusqu'à présent, nous gagnons environ 6, et puis nous avons l'option. Mais pendant que ça, il y a des gens qui ont même là, ils ont des poches pour voir tout. Parce qu'on paye à son état de spaghetti, je vais où on paye à base. Mais nous-mêmes, on fait droit. Nous-mêmes, parce que quand on a fait droit, il faut conscientiser les citoyens pour comprendre qui ça devrait être. C'est les jeunes, les citoyens qui parlent de l'économie, nous disent qu'on combat le système. Il faut qu'on qui est-ce qu'on fait qui ça dans le système. Non. Parce que le système pas mourir comme ça, on sait ça vous fait tout le temps parce que les bénéficiaires à monde qui te construit yo. Et ça, son message pour les jeunes, vous connaissez grand fils, étudier la donne, les super sociologie et autres, pour bien identifier, pour nous comprendre les mécanismes de la corruption. Comment on fait corruption ici? Comment on à travers 5 du sommet, il faut une question de nous, pour qui ça, tel un député qui a joué un prêt, il n'y a aucune garantie, ça vient comme garantie mandat là. Et puis, là, on a, et puis, moi-même qui policier, je ne suis pas tout. Je ne fais pas ça dans le pays. Moi-même qui journaliste, qui professeur, je ne suis pas tout. Et nous gardons des gens, et presse à eux. Et pas seulement dans l'ONA, même. Mais c'est que vous avez ça, l'autre institution, elle, eh bien, il a gardé la fête. Parce que nous, en Russie, et qui ont pas quelques problèmes, nous sommes capables de résoudre. Donc, si nous n'avons pas une approche holistique, et globale, de. Dans la lutte que nous menons contre la corruption, hein, et non seulement
nous pourrons voir que c'est vitamine et n'a pas la corruption, mais nous pourrons saisir que il y a des gens qui sont pas contre nous dans la bataille là, et bien, sont l'autre façon à faire, à la corruption par exemple. Il y a des gens qui disent, mais en même sens à la question là, est-ce que c'est pas servi? Et il y a ce genre de, c'est pas pour faire diversion. Mais voilà, tout le monde qui a fait pour empêcher de faire diversion politique en dossier qui ont affaire aussi publique que m'a mené. Tout comme manifestation dans la rue, il y a des gens qui vont faire diversion la donne. C'est trop carré, il y a des gens qui vont faire diversion dans la rue pour ne pas se passer la donne. C'est la donne tout. Donc, on n'a qu'à empêcher diversion, bon machine à détecter la diversion. Mais Newton, c'est injuste. Concernant les sous-facturations, qu'on y a ces soupçons, c'est la justice qui pral dit est-ce que Sojourner te fait effectivement sous-facturation. Pour nous, on a un pile et commentaire dans ce sens-là, et même question pour vous, on a demandé, mais pour qui ça? C'est qu'on y a ouvert un dossier. Est-ce que là, n'importe qui l'a, et l'État capable de retourner sous type de dossier ça? N'importe qui l'a. T'as une prescription sur eux. Ok. Et, si t'as une prescription, la justice a établi ça. Même quand tu dis ça tout pour Petro-Caribéen, gaspillage là, quand Petro-Caribéen a commencé en 2008, et 12 janvier 2010, c'était vainement que t'es ouvri. Mais c'est aujourd'hui là, en 2018-2019, aujourd'hui ça, dossier ça, l'État force, c'est comme si nous-mêmes, peut pas, c'est mettons, on coupe en bas gorge l'État, et quelque soit le monde qui n'a pas dans ce qui primature, et ou pas capable d'étouffer le César, maintenant, il appartiendra. Il appartient déjà à la justice, pour le dire le dernier mot. Cela va prendre le temps qu'il faudra, nous même s'assurer qu'il aille le plus vite que possible. Donc, question de temps, et depuis, pas gagné prescription, et par exemple, assurément, gagne moun ki arrivé en 2005 yo qui gagne des dettes et nous connaissons que nous en matière civile dette yo gagne la petite prescription la grande prescription qui a de 20 ans et nous connaissons tout et gagne des échanges de correspondance et qui tout fait entre l'État et moun sa yo et bref nous pour analyser au cas par cas pour le qui s'est passé devant tribunal qui s'est passé devant tribunal pour ça qui certain des moun qui prend l'argent l'État. Et puis, il y a regardé ça. J'ai pour exemple, et il y a des gens qui prennent plusieurs millions de dollars du riz dans la main et même pas du programme Balangoud. Parce que c'est pas un étage. Parce qu'on connaît nos mentalités. Mm-hmm. Ok, des gens ou bien compagnie? Compagnie. Ou pas cité, non? Parce que ou cité Oasis, ou cité. Qui est dans le port Lafito? Vous aurez toutes ces informations dès la semaine prochaine. Mais. Qui est à la carrière et pour dire que des gens qui doivent l'État plusieurs et millions de dollars du riz et il y a ce monde acheté du riz de ce dans la gare pénale, je ne vais pas payer l'État. Peut-être que c'est pour les mecs qui mais il faut pas entrer en contact avec la politique pour qu'ils en aient si tout le temps ça passe, on va me dire, parce que peut-être notre jeune contrat, notre jeune là, parce qu'on est sous pouvoir, on ne connaît pas. Donc, femme douce, madame Bonhomme, nous connaissons un qui contexte à évoluer et nous connaissons un matin. Nous arrivons côté Embal garantie ça, et puis, m'a séparé professionnel là avec citoyen militant, mais tout ça que la population doit connaître, la connaît. Ok. Quand vous avez un dossier, vous avez un dossier, vous matin, et sa politique a le droit de concilier cette vie, et puis tout le monde va nous avocats à l'emploi. C'est une catégorie d'avocats, mais bref, nous connaissons ce pays, je ne veux pas dire que nous connaissons bien, mais pour le moment, nous pensons que nous avons un pays à service, lorsque nous avons metté au grand public, au moins, pour que ces cas-là aient été fermés dans le pays, parce que nous ne jamais connaître. Ok. Et la décision, question toujours, et la décision du gouvernement d'annuler de manière unilatérale et contraire. On m'a parlé là pour trois compagnies qui n'ont question courant et production et courant, voilà pour la précision, d'un seul coup, et autorité a annoncé, il n'y a pas payé mon yon. Même position que m'te gagne, samedi dernier, elle m'a dit dans Signal FM, parce qu'on même consulté ce dossier-là, tout le monde qui estime que vous décision l'État prend, qui des intérêts, vous prenez dans le tribunal. Et l'État, vous dites ça, oui? Claire, l'État n'a pas le pouvoir pour les annuler unilatéralement, quel que soit le contrat de gagner avec un fumeur en particulier, s'il ne prévoit pas le mécanisme de résolution négociée, s'il ne prévoit pas le contrat. L'État couvre tout le monde.
doit prendre un tribunal pour vider question ça. Maintenant, si l'État fait et vous estimez que le manifestement est légal, mais c'est pas réadjoint, ça dit que le manifestement est légal, c'est pas moi, c'est un tribunal encore pour nous aller. Tout ça dit que, là, vous même faire la déclaration de ça, pas de contenu contre l'eau, tout même des contenus contre l'eau, mais pas retirer, ça me dit, à son principe général, si vous faites au état de droit, si vous faites au état de police, nous dit que l'État n'est pas au-dessus de la loi, l'État est soumis à la loi comme tout la partie. Ok. Président prend décision pour annuler contrat 3 compagnies. Et dans le moment où que manifestation a multiplié pour demander que le président Li démissionne. On dit 2 mai, président Li parti. Est-ce que l'équipe qui a venu remplacer là est capable de dire contrat n'a pas annulé encore ou bien il est obligé de tenir compte de décision et Jovenel Moïse avec l'équipe qui a été prise, là, il faut repartir sur et contrat honnête. Eh bien, c'est ça qui est belle dans le pays d'Haïti. Hein. Par exemple, même là où on condamne à perpétuité en Haïti, l'espérance de vie carcérale en Haïti est 10 ans, tout le monde déblose et qui crase des prisons pour nous sauter là. C'est-à-dire que nous toujours pensons que telle décision d'État, je vous dis, si l'on fait un peu, je vais continuer à faire ce pouvoir, moi, il faut me gérer. Et si l'on fait un peu, pour voir ça tomber, pour me réviser. Malheureusement, c'est mentalité. Hein. Mais même ça, moi, je m'en. Quel que soit le monde qui peut pouvoir entreprendre la journée de Moïse, je dois retourner ce contrat là d'ailleurs, et ça va engager, nous dit dans cette forme que nous devons faire, honnêtement comme citoyens. Mais, c'est fondamental, nous devons retirer le droit de païtien, chaque citoyen peut demander explication, par exemple, sur l'affaire 123 millions de dollars, que l'État a viré, et sur bonne note l'argent qui est au BNC, et mettez non bonne institution depuis plusieurs années par an, nous voulons des explications sur ça comme citoyen. Donc, qu'est-ce que ça pouvoir monter à? Par exemple, malgré que nous sommes avec le dossier pétro-caribéen, hein, eh bien, je vous dis, c'est le dossier du peuple haïtien. Mais nous voulons que tout dossier de corruption qui est dans l'État, les rapatrier de manière souveraine, patriotique par le peuple. Non, mais ça n'a d'où là, c'est que on dit équipe qui montait à eux favorable à ses propriétaires de compagnie. Est-ce qu'il y a obligé quand même font l'autre contrat? Parce que l'y a annulé, l'y coupé déjà. C'est pour elle, encore l'accord est parti. Ça va être ça, mon gars, dirigé, comprendre et comment comprendre l'intérêt collectif. Moi-même, pas qu'à entrer là-dedans. Mais moi, je dis que anomalie qui est dans le contrat, côté que. Et c'est un ensemble de contrats, et je ne parle pas de contrats en particulier, mais un ensemble de contrats l'État avec des particuliers, qui fait l'État tourner en cocombe devant particuliers, au détriment de nos propres intérêts, et bien le bagage ça, et quelque chose qui monte, on va faire ça, je vous dis de nous faire quand même, parce que moment ça, en tout cas, passer dans le pays à son moment pour nous mettre à nu modèle fonctionnement, mode de fonctionnement de l'État. Par exemple, il y a des mouns, non seulement l'État, et qui joignent plusieurs contrats de prêt. Tout le monde connaît fait pour eux. Alors que vous avez un bac fruité qui a 25 000 gouttes pour investir le bac à jouer. Alors que vous-même, là, Mme Bonhomme, qui a besoin de fonds et activités au bac à jouer. Mais, on a dit, vous avez dit, vous êtes sous votre de pratique, ça, vous passez sous pouvoir. Et puis, vous avez toujours un sac qui est là, dans le pays, à son forme ou son l'autre. Je veux dire, là, il faut résoudre la question sociale. Je veux dire, la répartition inégale des ressources de ce pays, et pour nous capables de jeter premier galon de l'eau voire double sous crise en attendant que nous y vers l'autre pour le mieux. Mais, et sans dire là, c'est et constat système de fonctionner, l'aime sous pouvoir mon marron, l'aime sous pouvoir mon contrat, il va le respecter la norme, l'aime pas sous pouvoir adresser ma gueule, mais la fois sortir dans ce cercle vicieux. Et bon, vous dites Fanouk Fontitan. Pour nous qu'on est non compagnie qui est épinglé par pouvoir en tout cas sous madame ou qu'on est non parce que me dit bon c'est dommage et bon c'est dommage pas qu'on y a bon ça journaliste ça parle vraiment mais on a que son dossier qui sont c'est pas nous compte tous deux doit nous en tant que vision
Oui, mais sous qui base ou cité, ou pas problème, regardez, ou pas problème pour dire Oasis, ou pas problème pour dire la fitou. Mais ou dit, bon, nous nous citer, c'est-à-dire, je fais le bonheur que, voix à Niabio, yo, épuisé net. Ok. Maintenant, si, vous êtes avocat en entreprise financière, il n'y a pas mon esprit, il y a pas mon esprit, mettre là, là, oui. Parce que, selon, règlement intérieur, nous selon accord partagé, nous publié dans mon terrain, on a fait. Non, mais ça ne va pas du là, non. L'État peut être bon pour pouvoir, dans quel sens? Et je dis à là, je dis que ce qui se dit, c'est que le président l'a frappé ses ennemis. L'État est important pour faire un travail, un nettoyage dans l'entourage, tout. Parce que des compagnies de poche pouvoir qui n'ont question de corruption, qui doit l'État, qui pas payer tout. Comme ça, t'as dit, qui t'a fait, c'est pas justement, c'est pas règlement de compte et que le président a fait. C'est vous dire ça, tout ça. Madame Bonhomme, nous sommes en période de guerre et il a été clairement enseigné que en période de guerre, la première victime, c'est la vérité. Donc, son bio, c'est pas qui fait tout dans le pays, hein. Et il y aurait droit à la vérité, mais il y aurait de la vérité. Moi-même, moi, je crois que c'est la vérité dans notre pays. Pas vrai, c'est pas facile. Mais ça, c'est fondamental. On nous voit le fondement. De qui ça a empêché l'État de dire mon nouvel fonds pays. Ça n'a rien empêché. Et on parle de ça, c'est des mondes qui jouent l'État au détriment de la collectivité. Ça, c'est pas nous qu'on fait. Mais stop, l'argent au gouvernement, c'est pas le bail nègre ou les caoutchoucs dans la rue, c'est pas le bail. Parlementaire, puis à le voter pour le ministre, pas à le faire magouille politique pour qu'il puisse pouvoir l'agence à eux entrer véritablement dans le cadre de satisfaction de sa population dans le service qu'il a fait. C'est ça qui démarche qui t'affiche sage. Maintenant, je dis à la collègue, ou c'est parce que la persécuté adversaire ou ancien partenaire ou ancien amour. Pour poser des actions, et bien, il y a force à tout. Parce qu'il y a le karma qui existe. C'est très malheureux pour le pays. Bon, on a fini là. Et Guéné, je ne sais pas si ça, c'est pour mon avocat qui fait commentaire ça. Et m'a juste en dessous lit, et puis pour nous refermer l'émission, il dit bon, la question concernant les honoraires de l'avocat, au cas où l'État serait perdant, est répondu avec réserve. En principe, l'avocat n'est jamais perdant. Ses honoraires sont sacrés car il a une obligation de moyens et d'honorer de résultats. Cependant, en matière de recouvrement de créances, seuls les frais de procédure sont sous la responsabilité de l'État. Si l'avocat n'arrive pas à recouvrer, il n'obtiendra aucun honoraire car là où il n'y a rien, même le roi perd ses droits. C'est un principe sacré. Déjà, donc, non, mais ça veut dire à tout. Nous ne pouvons pas perdre du vrai, non? Bon, par quel jeu pour avocat par sortir en bail? Et ça le dit là. Écoutez, madame, c'est pas ensemble dans ce sens. L'avocat représente un client. Je ne suis pas l'État ici, je vous ai dit l'État ici. Même les dates défendues à madame Bonhomme qui tue au monde, les voies condamnées, là, vous voyez condamnées, je vous représente. Mais je ne vais pas confondre avec vous. Donc, maintenant, il est clair. Que nous dit, notre cas ça spécialement, sous recouvrement de nos affaires, c'est sous yon nous pourrions gagner pour nous toucher, mais notre état perdu, l'état obligé de payer tout. Tout l'affaire de procédure, yo, à la charge de l'État, mais pour le moment, nous avons dit pour le moment, c'est l'institution concernée qui a chargé de payer frais pour la signification des actes. Voilà. Et c'est le mot de la fin. Et merci, Maître Newton Saint-Just. Le mot de la fin, c'est à tous mes amis, à tous ceux qui m'aiment, qui avons ensemble de messages pour nous comprendre, et nous pas le temps pour nous échanger. Mais ce qui est fondamental, le moment de troubler ça, nous avons mal interprété nos démarches, nos comportements, nos actions. Mais j'ai toujours appris que le temps est le père de la vérité, et quel que soit le temps que cela prendra, nous souhaiter et de tout cœur que le temps a permis de nous comprendre des marches pour les mêmes gens. En 2010, mais nous taper gourmet et pour gaspillage, on fait tout arriver qui a fait des pistes sous Préval,
pour que les affaires l'avalage n'a pas réglé, c'est j'ai pas dit qu'il voyait nous, comme si moi-même, avocat de mon état, mon état prend pour le voyer. Mais vous savez que le temps est de vérité, je dis à la Petro Caribe à nos chansons, nous avons souhaité que l'ensemble de dossiers de corruption dans l'État à nos chansons, et que chaque haïtien qui est en tête de chaque matin relevé, qui ça a fait pour combattre efficacement la corruption, pour que transparence à l'administration, pour que les générations futures, je veux dire, nos progénitures et la progéniture de nos progénitures, capables de gagner un avenir meilleur, un futur meilleur. Merci Madame Bonhomme et à la prochaine. Voilà, merci Maître Newton Saint-Just. Bien évidemment, et tout le monde qui est concerné dans dossier ça, micro arrêté ouvert pour yo capable bail son cloche yo. Merci tout le monde qui t'a suivi émission ça, dans micro Harry Lucie Bonhomme. Bonne journée sur Vision 2000 bien sûr. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.